Bonjour à vous. Bienvenue pour ce tirage intemporel. Donc, tirage qui vaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Aujourd'hui, nous allons regarder avec le roi de deniers quelle est sa richesse. Et que ce n'est pas que financier, hein, je vous le dis, là, les richesses, souvent même les richesses autres sont encore plus importantes que les richesses financières. Donc, concentrez-vous sur la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Nous regardons. Quelle est sa richesse avec le roi de deniers? Je cherche la carte et je vous reviens. Alors, c'est assez particulier comme richesse que je peux voir. Le pendu, je vous dirais qu'il est capable de regarder les choses autrement, de ne pas simplement voir une façade, une situation. Vous savez, un esprit obtus qui va seulement voir une situation, lui, il est capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de patienter, de ne pas aller tout de suite vers une situation parce que le pendu, c'est une énergie de lenteur où on prend le temps de regarder. Donc, je pense que ça, c'est une de ses richesses, de prendre le temps de regarder. Parfois, ça nous paraît long, on ne comprend pas finalement sa vision, mais c'est souvent qu'il prend le temps de voir comment procéder. Une autre richesse, écoutez, c'est le diable. Le diable, c'est les tentations. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir un enfant intérieur qui va écouter, qui va aller vers ses besoins, ses désirs, ses tentations? Parfois, on le voit comme quelque chose de négatif avec les addictions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui est tourné vers les addictions est tourné beaucoup vers les petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs. Fait que moi, je le vois plus comme ça. Le roi de deniers, présentement, il est capable d'avoir du plaisir dans les petits bonheurs, même si ça sort peut-être de l'ordinaire, que ce n'est pas ce que les gens autour souhaiteraient pour lui, et il prend le temps de regarder autrement les situations. Donc, c'est sa richesse intérieure. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.